Yo tout le monde, c'est Reza, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'unboxing de la Woodbox comme tous les mois. Voilà, je l'ai reçu assez tard quand même, on est le 13 aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. Je l'ai reçu hier, le 12, donc ouais, je l'ai reçu assez tard. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même la petite vidéo comme tous les mois. J'en profiterai aussi comme chaque début de semaine pour faire le petit programme. Alors, on l'a reçu du coup toujours une box réversible. On a, comme depuis 2 mois d'affilée, une protection supplémentaire autour. C'est nickel. Le thème de ce mois, c'est Nightmare. Alors, on a au programme du Simpson, du Sa, le clown, du Stranger Things et du Batman, donc le Joker en l'occurrence, je pense. Donc on a le petit calepin ici qu'on ne va pas lire avant la fin, on va se faire spoiler. Alors ensuite, on ouvre la box, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve déjà une pop, ça fait plaisir, une pop exclusive. Alors bon, si c'est comme toutes les pop exclusives, à part So Guerrera, je pense, qu'on a eu en décembre de l'année dernière, mais voilà, celle-là, à mon avis, pareil, j'ai entendu que c'était pas la même, que c'était la même, pardon, que la classique. Donc c'est, comment elle s'appelle déjà, Eleven, dans sa tenue Underwater, donc quand elle est sous l'eau, à mon avis, elle a un petit casque et tout. C'est une pop, elle est quand même pas mal avec le petit casque et tout. Elle mérite pas qu'on la vende, elle mérite pas qu'on la rejette. Non, je la trouve franchement sympa quand même. Mais bon, l'exclu Woodbox, hein, comme d'hab, on sent un peu couillé. Bon, après, ils nous vendent pas la box en mode « Ouais, vous avez une pop exclue que personne n'a jamais vue. » Là, ils vous disent « Ouais, vous avez une pop, vous avez un sticker Woodbox en plus. Allez, coûte 7 cheveux, vous l'enlevez, et puis c'est fini. » Bon, là, on le laisse, ça fait plaisir. J'ai pas encore regardé Stranger Things, mais c'est dans les projets. Apparemment, c'est une série top. Il y a le trailer de la saison 2 qui est sorti, là. Un deuxième trailer, ou un énième trailer. J'ai pas trop suivi parce que je pourrais me faire spoiler. Bon, on continue, on va pas se tarder sur la figurine. Bon, un bon point, même si je n'ai pas regardé Stranger Things et je m'attendais fortement à une pop. Même si, bon, une pop les Simpsons, c'était chaud parce qu'elles sont hyper, hyper cotées maintenant. Mais pourquoi pas une pop Joker, ou c'était quoi le thème, ou une pop ça. Il y a pas mal de level pop ça et tout, bon, on aurait bien, bien kiffé. Même si j'ai pas vu le film, mais je trouve badass, Pennywise, je pense qu'il s'appelle. Deuxième item, alors je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est l'item Batman. On va le déballer. J'ai entendu dire que pas mal de personnes étaient déçues par l'item du Joker. On va voir ce que c'est. Ça m'a l'air d'être une serviette ou un truc comme ça. Ah non, ok. C'est un tablier. Un tablier. Bon. Vous savez ce que je pense, hein, des items. C'est pas vraiment exposable, figurine, etc. Voilà, on achète une box, c'est plus pour ça. Bon là par contre, il y a le... Hop, voilà. On fait pas ça à la maison. On n'arrache pas les étiquettes, on les coupe. Voilà. Petit, bon, le Joker, quoi. Un petit, petit sablier, avec sa cravate et tout. Bon. Pourquoi pas. Perso, je suis pas cuistot et je ne pense pas que la majorité des abonnés Woodbox soient cuistot. Mais bon, pourquoi pas. Item exclusif, item assez original. On l'a déjà vu, dans certaines box, mais on voit pas tout le temps, c'est pas récurrent. Pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Le deuxième item, c'est un panneau de ça, hop, warning, peut-être dans le plastique, hop, warning, mad clown, attention, clown méchant, très sympa cette petite plaque, ça a de la bonne qualité, voilà, ben, très cool, on achète, entre guillemets, c'est, pour le coup, ouais, bon, pareil, on l'a pas souvent, on l'a déjà vu, hein, c'est pas non plus du jamais vu, mais on l'a pas souvent, c'est original, c'est sympathique, c'est joli, ça fait plaisir, ça fait le taf. Bravo Woodbox. Ensuite, le pins. Ah, le pins, il est classe. C'est So. So, voilà, très très joli pins. Un peu en relief et tout, enfin franchement les pins. Franchement, arrêtez de mettre du budget dans les pins, les gars. Mettez du budget dans des figurines, quoi. Enfin, je sais pas. Mettez-nous hein, des trucs de ouf, quoi. Et donc l'intérieur de la box, c'est en fait l'affiche du film, enfin de la série plutôt, Stranger Things. Voilà, c'est... Pourquoi pas. Bon, la dernière box, je l'avais gardée, je l'avais faite et tout. En fait, c'est assez simple, hein, la box réversible. C'était le Death Note. Bon là, je le ferai pas.
La prochaine, par contre, les prochains thèmes de Woodbox, vous en parlerez dans quelques instants. Ils me plaisent et j'attends du lourd. Alors, le t-shirt, c'est du coup par défaut les Simpsons. Et bien sûr, il m'a l'air franchement énorme. Produit officiel, bien sûr. On a la petite étiquette ici, officiel. Et bon, du coup, on a de la bonne qualité. C'est hop. Vous voyez avant moi. Et alors, ah, franchement, il est cool. Après, voilà, je veux dire, j'ai un peu critiqué. Et un t-shirt Simpson, on a moins envie de le porter qu'un t-shirt du Joker, par exemple. Voilà. Pour moi, perso, je me vois mal aller au taf avec un t-shirt Simpson. Joker, ça peut passer. Enfin, voilà. Donc, bon, il y a quelques petits trucs. Bon, c'est pour mes préférences. Hein. Simpson, je connaissais quand même plus que Stranger Things. Et ça, j'aurais préféré les items principaux là-dessus, quoi. Bon, en tout cas, très bonne box dans l'ensemble. On ne regrette pas. C'était bon, c'était une box un peu. Il y a des box comme ça où les thèmes ne nous plaisent pas trop. On se dit, bon, on la prend quand même parce que c'est good box. Et puis voilà. Les photos des Wooters, personne de connu. Le jeu Evil Within. Apparemment, ça fait un carton. Enfin, moi, au magasin où je travaille, enfin, je suis en stage pour l'instant parce que faut pas me prendre en emploi mais en même temps qu'un stage, ils sont pas bêtes. Mais voilà, on l'a et franchement, ça fait un carton. Tout le monde le veut. La méga Woodbox de ce mois-ci, il y avait une figurine Sideshow du Joker. C'est quoi ça? De Alien. Il y avait un pack collector de LX, je ne connais pas. Une PS4 avec Gran Turismo Sport, édition collector. Et une figurine de Wolfenstein. C'était vraiment une méga Woodbox figurine. Franchement, elle avait l'air pas mal. Donc la pop Stranger Things, estimée à 20 euros. Bon, je l'ai vu autour des 12,99, allez, on va dire 15 pour être gentil. On vous explique un peu dans quelle situation ça arrive. Alors, vous aurez la saison 2 le 27 octobre. Ça, pour les fans qui n'étaient pas au courant. Donc, on est à 15. Le panneau exclusif Footbox, bien sûr, hein, c'est un thème qui a été créé exprès pour la box. Estimé à 9 euros. Ouais, on peut même dire 10. Allez, hop, on est à 25. Le tablier de Joker officiel. Et exclusif, ouais, estimé à 18 euros. Là, on va être plus méchant, on va quand même dire 10 euros. Faut pas non plus exagérer, quoi. C'est un tablier, quoi. Donc, on est à 35. La box est déjà rentable, sans compter le t-shirt qui est estimé à 20 euros. On va l'estimer quand même à 15 euros parce que c'est de la très bonne qualité, c'est officiel. Est-ce que je me demande d'ailleurs s'il n'est pas Glow in the Dark? Non, il n'est pas Glow in the Dark. Donc, on était. À 10, 20, 15, pardon, 25, 35, 40, 45. On est à 45 euros, donc voilà. Box estimée entre 45 et 50 euros. Il y a un peu plus, voilà, on était un peu plus méchant sur certains items. Un peu plus gentil, parce que faut être gentil quand l'item estimé est estimé à 9 euros et que j'estime qu'il vaut 10. Ben voilà, faut le dire quand même. Puis il y a le pins, qu'on compte pas, comme d'habitude, qui est estimé quand même à 4 euros. Hein. Mais voilà, franchement, très beau le pins. Et l'ombre de la guerre, pareil, ça fait un carton. L'ombre de la guerre, j'ai regardé un petit gameplay et ça a l'air vraiment pas mal. J'avais vu le 1, il m'a pas trop tenté. Le 2, c'est à peu près le même système, mais maintenant, aujourd'hui, il me tente plus. Enfin, voilà, je trouve ça quand même remarquable. Bon, mon item préféré, bon, c'est quand même la pop, elle est franchement top. Bon, je suis fan de pop, donc comment dire, mon jugement est un peu altéré entre guillemets, mais ouais, la pop et le panneau, franchement, deux très bons items, même si le reste c'est de la bonne qualité, c'est assez original. Donc, je vous recommande Woodbox, n'hésitez pas, lien dans la description pour vous abonner avec 5 euros de réduction. Donc, les frais de port vous sont offerts en fait, vous payez que 20 euros, je pense, la box, même pas 20 euros. Ah, bref, voilà, frais de port offerts, pensez-y, cliquez sur le petit lien dans la description. Je vous y invite. Et puis cette semaine, on se retrouve également pour la suite de l'aventure sur Dofus. Allez, c'était Razer. Ciao tout le monde.